conseil d'administration à pouvoir le convaincre de faire changer d'avis. Je suis vraiment désolée de te l'apprendre, mais tu surestimes l'influence que j'ai sur mon mari. Nikki, il faut au moins que tu essaies. Ah, ici, nous avons le cas typique d'un chat qui est très malheureux chez lui. Je suis sûre que Victor pense à la même chose. Non, je suis pas sûre que... Ça va? Ah bon, pourquoi? Évidemment, il préférerait que tout soit réglé le plus rapidement possible, mais... Aujourd'hui, il est convaincu que Jabot devra déposer le bilan bientôt. Oui, et malheureusement, il a sûrement raison. Il a une nouvelle devise qui est « Attendons de voir, voyons ce que ça donne. Si Jabot dépose le bilan, il n'y aura peut-être pas de procès. » Victor Newman est amoureux de toi, et il est conscient que tu t'es investi personnellement dans cette société. Je pense qu'il est temps que tu joues de cet avantage. Nous avons besoin de toi pour nous en sortir. Tu as peut-être notre avenir à tous entre les mains. Jack, Victor et moi avons une conversation privée. Ce n'est plus le cas, désolé. S'il te plaît, j'aimerais que tu sortes de cette salle. Je me demande seulement comment tu peux, ne serait-ce qu'une seule seconde, envisager que cet homme fasse partie de la vie d'Abby. C'est pas le moment de parler de ça, d'accord? C'est pour une question simple, il me semble. Après le bazar qui a mis dans ta propre famille, tu veux bien... Si Jack n'est pas envie d'en parler pour le moment, alors maintenant, va tu continues à défendre cette ordure. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aurais changé de camp tout à coup? Bounty, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait froid? Viens. Bounty, viens. Allez, viens, viens. Tu sais que t'as pas le droit de rentrer, hein? Tu restes à la frontière. Et attention à marche arrière. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est un bon chat.